Flèche, non. Couteau. J'ai appris que quelqu'un avait entrepris de libérer les avant-postes. Prends ton temps, AJ. Il faudra bien plus pour faire pencher la balance. Juste. Ok. Vendre. Du coup, on va vendre. On va vendre. Ouais, le truc, c'est que j'ai de plus en plus de choses. Chiant, je veux réussir à l'enlever. Voilà. C'était loin d'être incroyable, j'ai failli me faire buter, connasse. Je suis même mort techniquement. Morte. Donc ferme-la. Si elle est morte, ça sert à rien d'en reparler. Ouais, toi. Voilà, allez, go. Hey. Sac à butin presque plein. Putain de merde. Il me faut un troisième cochon. Ça devient urgent. Faut un cochon, s'il vous plaît. J'aimerais trouver un cochon. Ce serait bien un cochon. Un petit cochon. Pour un film 3D. 6000 roupies. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire quoi maintenant? Bon, je sais que tu m'en veux, bro. Attends. Je récupère des munitions, par contre, parce que. C'est chiant. Voilà. Ça, on enlève. Parce que ça sert à rien. Je sais que tu m'en veux, mais m'en veux pas trop, je veux savoir. Salut. Ça balle. Alors, ça valait vraiment le coup, ces renseignements. Ah là, il est vénère. Est-ce que tu les as lus au moins? Parce que moi, j'ai une autre info pour toi. Et c'est du solide. Il nous en veut. 9 de mes hommes sont morts. 9 braves à cause de toi. Vous me mettez dans une position difficile. Le bon choix était évident. C'est ce que ton père aurait fait. C'est ça le sentier d'or. C'est la direction qu'on prenait avant qu'il meure et que tout se casse la gueule. Mais Amita, on n'a rien à foutre. Elle fait passer ses objectifs avant tout.
Elle est manipulatrice. Elle triche et elle sacrifie toujours des vies. C'est pour ça que je suis chef. Je le suis devenu parce que je connaissais ton père et que je respectais sa vision. Tu dois comprendre ce qui l'animait, ce qui nous motive. Va au monastère. Tu dois aller t'éduquer, Edge. Badak, culé. Il est vénère, hein. Il est légèrement vénère, je pense. Un échange culturel. Alors, pas sûr que ce soit vu comme ça, du coup, mais yes. Du coup, c'est où? Putain, c'est là. Oi, oi, oi. Moi, j'aimerais trouver des cochons. Ça, c'est chimpanzé. Ça, c'est... panthère. Rhino. Putain, des cochons. C'est pas compliqué, des cochons. Là-dessus, il doit y avoir des trucs. Sur cette île, il y a des trucs, c'est obligé. Compétences. J'ai 5 points de compétences à bousiller. Je peux acheter ça direct? Ah non, je me disais bien. Entraînement technique, moissonneur. Il m'en reste un. On prend quoi? Voilà. Voilà. Confection. C'est vrai qu'il nous manque des peaux de cochon. Il nous faut des peaux de sanglier. Tigre, peau de rhinocéros, voilà, on l'a fait ça. Peau de yak, peau de sanglier. Donc il nous faut, ouais, il nous faut. Ça c'est déjà au max, donc on s'en fout. Mais par contre le sac à butin, faut vraiment qu'on l'augmente, hein, parce que là c'est plus possible. Faut qu'on trouve des cochons. Monter, ouais, je sais. Mais faut vraiment qu'on trouve des cochons, parce que là c'est plus possible. Du coup, notre mission, elle est là. Ouais, notre mission, elle est là, donc go. Donc go, donc go. Let's go, les gars. Ici Tonton Pagan pour un petit message à mon neveu préféré. Alors, dis-moi, Jay, comment ça se passe l'intégration jusqu'ici? Es-tu tombé dans le piège sucré de la belle Amita? Ou as-tu craqué pour les boucles brunes et la mâchoire virile de Sabal? Chacun ses goûts, hein, tu es libre de choisir. En ce qui me concerne, et contrairement à ce qu'on pourrait déduire de mes costumes, j'ai choisi l'autre camp. Toi, plus que n'importe qui. Tu devrais savoir qu'il n'y a jamais eu qu'une seule femme dans ma vie. Tiens, le bordel! Il y a tout qui a décidé de m'attaquer en même temps, quoi, le bordel. Du coup, on prend ça. Oh! Ah non, merde, ça va en bas. C'est pas grave, tant pis. On prend des pots. Ça fait du bien. C'est de la peau. Un peu de peau. Passion pêche. Passion chasse et pêche. Voilà, vous vous rappelez. Putain, j'ai envie de tirer dans le tas, là. Ça passion pêche, les gars, rappelez-vous-en. Un aigle. Et alors apparemment les aigles font pas l'unanimité. Ouais, bon, vous m'avez compris. Sac à butin presque plein.
bonjour. Salut gros. Vendre. Qu'est-ce que je peux te vendre? Ça, ça, ça. Ça, ça. Ça, ça, ça. Oh, ça. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien, un plaisir. Bah oui, moi aussi, j'espère qu'on se reverra. Allez, on monte. Let's go, les gars. Mais c'est loin. 290 mètres. Comment je fais pour y aller là? Oh! Événement karma! Attaque animale! Ouais! J'adore les attaques animales. Oula! Les pauvres! Ils sont tous morts! Pourquoi je peux pas monter dessus? Ah bah si quand même. Chien rangé, oh, rien à foutre. Allez, on se casse. Regardez, il se court après là. On va arrêter parce qu'on va. T'es mort toi déjà. Voilà. Est-ce qu'il va revenir ce con? Il va me rentrer dedans. Oh non, j'ai cru qu'il allait me rentrer dedans. J'ai eu peur. Vraiment j'ai eu peur. Allez, on monte. Montons. Je pensais pas que c'était possible ça pour le coup. Il les a tués? Oh, ils sont passés. Vous allez faire quoi, bande d'animaux?
m'a trouvé où faut monter, hein. Ne vous inquiétez pas, là, voilà. Aïe, on monte. Monte. Ouais. Ouais, pas sûr ça. Bah oui, d'accord. Sur le mort. Putain le bâtard. Ah là, il y a une affiche à enlever. Il y a un ours qui s'est fait buter par un tigre. Yes. Bon, faut qu'on aille faire quoi là? Ah oui, faut qu'on aille là. C'est vrai. C'est loin. Salut les bros. Ça va? Tu devrais être parti depuis 10 minutes. C'est quoi? 330 mètres, ok. Bon, on y va tranquillou, hein. Nous, ça serait bien qu'on arrive à croiser des cochons encore. Genre un petit cochon, ce serait bien là. Beau travail, AJ. Continue comme ça et on y mettra bientôt dans toute la région. On va les sauver des mensonges de Pagan. Ouais, alors... C'est pas forcément le but. Quoi? C'est pas forcément le but. Si, c'est le but, mais... En fait, moi, genre... C'est normal, c'est qu'il faut que j'avance, en fait. Pourquoi là, j'ai un... Hop, pour ceux qui veulent lire, Facidol. Voilà. Beau. Je pense que je peux le prendre, mais j'y arrive pas. C'est pas grave. Rencontrer Rajou. Ouais. Ils ont emballé des armes sans grande sécurité. On a Sterch. Allez, con. J'ai bien aimé le allez, con. Namasté. Namasté, bro. J'ai bien cru qu'il allait me gueuler dessus, mais il a écouté le discours jusqu'au bout. C'est un type bien, c'est juste qu'il aime pas les idiots. Ah, c'est un type bien, mais il aime pas les idiots. Comment ça va? Ça va, merci. Ça va, comme si, comme ça. Qu'est-ce qui est marqué là? Ce monastère a été creusé dans la montagne aux alentours de 500 avant Jésus-Christ par des fidèles de Kira. C'est là que les enseignements de Kira ont été couchés par écrit pour la première fois. Shaljama a été soigneusement
préservé et rénové plusieurs fois au cours des siècles qui ont suivi sa construction, et c'est toujours aujourd'hui un temple et un monastère en activité. Voilà. Salut Nembron! Ah, Ah, le salut! fils du grand Mohan. Oui? Sa balle me dit que tu es prêt à apprendre ce qui a inspiré ton père? Non? Quoi, oui, mais non? Banachour, dieu des dieux, a créé le monde en chantant. Pour cela, nous le remercions. D'accord. Nous remercions les dieux de nous avoir donné vie. Je t'en prie, prends donc un panier à offrande. Avant de terminer le pèlerinage, vas-y, je te suis. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vénérable lama, machin, j'ai bien reçu votre lettre et je tiens à soulager votre inquiétude. Les rumeurs que vous avez entendues sont fondées. Le fou, celui que les villageois appellent Dami, n'a jamais fait partie de nos disciples. Ce matin, durant la puja, je me suis adressé à notre communauté. Nous ne laisserons pas cette ineptie perturber notre méditation. Personne ne parlera plus de cette usurpateur, pardon, puisse l'enseignement des éveillés embellir votre journée. Voilà. Le cierge est là pour nous rappeler que pour grandir, il faut la volonté de dépasser ses limites habituelles. D'accord. La vie est aussi fragile et éphémère qu'une volute de fumée odorante. D'accord. Représente la mortalité. La vie sans émotion n'est pas la vie. Mais une vie guidée par l'émotion peut nous consumer. Ajoute la poudre. Les dieux nous bénissent de leur sagesse. Nous la recueillons dans le moulin à prière pour nous purifier des mauvaises pensées. Tourner. Hey Jay, les infos que t'as trouvées. La carte. C'est le monastère. L'armée va attaquer ta position d'une minute à l'autre. Restez à l'intérieur. L'armée a lancé une attaque. Ça va être fou le bordel, les gars! Bonne, tout à béné pour moi. Allez, venez là, je vous attends. Ah donc, je suis obligé de rester là. Protéger le temple, ouais. Yes. Merde, c'est un hélico ça. Oh merde, là-bas, ça va péter. Vite.
Vite, vite, vite. On est pour 70 secondes. 80. On recharge. En attendant. Ouais, ouais, je sais qu'ils détruisent des icônes, mais deux secondes là, je peux pas. Voilà. Les charognards s'occuperont de l'arbre. Ils en ont après la cache d'armes. Deux secondes. Ouais. Oh. Ouais, les armes, en vrai, je m'en tape. Là, faut être de partout en même temps, ça va être trop chaud. Let's go. Tu nous as sauvés. Ouais. Tu es bien le fils de ton père, Etienne. Merci. C'est la merde. Merci. L'échange culturel, les gars. Excusez-moi, faut juste que je réponde à un truc important. Tac, tac. Voilà. Alors, terminez les événements de Karma, vous faites tourner des moulins. Ouais, bah ça, je savais ça. Merci. Amita, le monastère est sauvé. J'espère que maintenant, Sabal comprendra l'importance du renseignement. Sans cette carte, on n'aurait pas pu intervenir à temps. Beau travail, EJ. Ouais. Je suis d'accord. Sac qui est plein. Collection compétences. J'en ai deux de compétences. Ouais, j'ai deux compétences. Confectionner pour courir, nager plus vite, respirer sous l'eau plus longtemps. Oh bien. Confectionner une seringue pour limiter les dégâts physiques.